on est trop bien là, les gars. Bonjour à tous les amis, c'est Michael Samurai. On se retrouve aujourd'hui sur un tout nouveau jeu Diablo Immortal. Et il est sorti il y a environ une semaine. C'est pas Diablo 4, hein. C'est un jeu qui en fait est sur mobile. Et ils l'ont fait aussi sur PC, un peu comme le jeu Ni no Kuni. C'était en version bêta ouverte, mais c'est normal. C'est parce que c'est adapté sur mobile et du coup tu peux y jouer sur ton PC. C'est pour ça que c'était en bêta ouverte. Je voulais faire une vidéo sur le jeu quand le jeu était sorti, mais j'étais malade. Du coup j'ai pas su, j'étais vraiment pas bien, j'avais la grippe. Pour ça que j'ai pas su faire beaucoup de vidéos à ce moment-là. Et il y a des vidéos qui ont été retardées à cause de ça parce que voilà, j'étais vraiment pas bien. On va voir ce que ça donne. Alors du coup j'ai avancé un peu de mon côté, j'ai déjà créé mon personnage et tout ça, comme ça je vous ai épargné le début du jeu, comme ça on va aller dans le concret de ce que ça va donner. Et franchement je peux vous dire que moi j'ai pas fait Diablo 3, j'ai fait aucun Diablo, hein. Et je peux vous dire que je comprends les gens qui sont addicts à Diablo et tout ça, c'est juste hallucinant. Moi j'ai fait le début du jeu et tout, et franchement j'étais tellement à fond dans le jeu que j'ai joué une demi-heure, une heure, que je me suis dit, oula, ça va mal finir, je sens que ça va mal finir parce que je sens que je vais jouer. J'espère que ça va pas arriver, hein, parce que j'ai déjà vu des gens, et sur League of Legends, j'imagine même pas les gens, il y a des gens qui ont même raté leur scolarité parce qu'ils étaient à fond sur League of Legends. Donc j'espère que ça va pas m'arriver, mais non, parce que je suis assez grand, voilà, je suis assez grand. Alors je mets les écouteurs, c'est parti. Donc c'est parti, on commence. Voilà, donc voyez mon personnage. Alors j'ai créé une femme, voilà, Ada, je l'ai appelée. En fait, j'ai voulu faire la référence à Resident Evil, super balle. J'ai créé un personnage, une classe moniale. Donc c'est la classe moine en fait, qui est style arts martiaux en fait. Voilà. Voilà, bon, le jeu n'est pas exceptionnellement beau, voilà, franchement ça va, mais c'est parce qu'il faut se dire que c'est un jeu qui est sur mobile, et c'est pour ça que c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus très 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 beau. Bah après, voilà, je trouve que ça fait le taf, voilà, tu peux jouer sur ton PC, c'est bien, voilà, c'est pas moche non plus, hein, c'est loin d'être moche, mais voilà, s'il y aura Diablo 4, on se prendra une bonne claque. Bon, par contre, on peut y jouer aussi avec manette, mais avec la manette, ça marche pas avec la manette, donc du coup, je joue avec le clavier. Mais je me suis un petit peu habitué au clavier, donc ça va. Honnêtement, ça va. Les touches sont... c'est assez facile. Donc, voilà. Alors, c'est parti. Donc ici, je dois aller voir... voilà. Je dois aller parler à Kael, à la chapelle. Donc on va ici, voilà. On va lui parler. Ne faites pas, mon vieil ami. Ces os fragiles viennent à vous avec une demande urgente. L'aide, mon apprenti a trouvé un fragment de pierre monte par lui un moyen. Bon, je vous laisse lire. Hein. Voilà, je lis tout bas. J'espère que je suis en train d'enregistrer parce que je crois que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton enregistrement, mais je suis pas sûr. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire là? Je veux boire un coup d'eau parce que là, c'est pas possible. Et j'étais malade pendant une semaine et demie. Ah, je vous dis pas. Alors, donc, il faut aller où? Parler à quel? Ah, mais putain, je vais parler à quel? C'est bon. Voilà, ok. Oh, on peut prendre la carte. Oh. Ah, cinématique.
Je voulais savoir la cinématique, mais j'aurais bien mis le son un peu plus fort de la cinématique, mais je peux pas aller dans les réglages parce que je peux pas réduire la fenêtre du jeu en fait. To us, a chance to fight the darkness, to ensure our home survival. For a new evil covets the World Stone's power. If a shard falls into Hell's clutches, our world will burn. Ok, ok. Belle petite cinématique là. Les voix anglaises se sont très 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 bien. Encore, mais hey, je dois toujours parler à lui. C'est bon, il y en a marre. Oh. Faites preuve de prudence sur la route de sortie à Camarade. Touchez pour ouvrir la carte zone. Ah ouais, donc ça c'est la carte, ok. Waouh. D'accord. Bien joué. Vous avez sauvé Yurtman. Continuez l'aventure pour plus de gloire et une récompense. Montez de niveau et gagnez en puissance. Combattez des monstres terrifiants. Gagnez des récompenses de grande valeur. Alors il y a un peu de pin to win dans le jeu. Hein. Ah, attendez, ça c'est d'autres joueurs ça? Ah ouais, regardez le nom du joueur là. Puce. Eh mais je peux pas fermer la carte là parce que ça gâche tout là. Puss, c'est quoi ça? Toucher pour récupérer une récompense, ok. Waouh, ouais. Ah, je suis niveau 11. ok. Navigation en pause. Mais c'est quoi ça? C'est quoi la carte, toute la carte là? Moi je vais enlever ça moi. Y a pas moyen d'enlever ça? C'est quoi cette carte de malade? Ça prend toute, ça prend tout l'écran. Ouais ouais. Bon écoutez, on se dirige. Je vais vous montrer les compétences et tout ça après parce que là, il nous montre des choses et je peux pas vous montrer. Je sais pas pourquoi il a mis navigation en cours. Pourquoi navigation en cours, je comprends pas. Sur un cimetière de centre-ville. D'accord, ok, donc là on est au cimetière. Et tout à l'heure j'ai dû affronter un de ces boss, un boss en dragon. C'était épique. Ah franchement c'était vraiment bien fait. Je vous en prie, non, ne me faites pas de mal. Bon, c'est là que les choses commencent. Alors c'est parti, vous allez voir le gameplay du jeu. Et vous allez voir que ça peut être dans tous les sens. J'ai activé des compétences et tout. J'adore les attaques du moine. Première émission. Bon, je vais peut-être un peu crier parce que comme j'ai les écouteurs, bah voilà, vous allez m'entendre gueuler hein, certainement. Alors, bon, on continue, il n'y a plus rien. Bah c'est qui ceux-là? C'est des bots ou c'est des joueurs Qu'est-ce que... Bah, à mon avis, je sais pas ce qu'il nous fait. Ouais, je sais pas ce qu'il nous fait. Dégagez. La lisière. C'est quoi ça? Ah. Ah, c'est des ennemis. Ok, allez, c'est parti, on casse les gueules.
pour récupérer des récompenses. Alors, c'est vrai que je vais vous montrer. Donc, ici, vous voyez juste en dessous, vous avez plusieurs compétences. Et en fait, avec la touche 1, 2, 3, 4, vous allez activer une des compétences, puis ça va se recharger. Avec la touche de gauche, c'est juste attaque basique. Hein. Vous pouvez... Attaque basique. Hein. Donc, avec le kick gauche, quoi. Avec espace, c'est la même chose en fait. Et vous pouvez remettre des soins. Les soins, c'est avec A. Et regardez ici. Voilà, donc là, vous pouvez équiper votre personnage. Je suis niveau 11. Voilà. Je trouve que j'ai créé un bon personnage. Je la trouve belle, la femme. Et voilà, ici, bah, regardez, par exemple, ici, j'ai un autre truc. J'ai, par exemple, 160 en vie et j'ai 190 en vie. Du coup, bah, c'est mieux d'équiper la ceinture de Brigante. J'ai plus en vie, donc on va équiper ça. Et comment ça se fait que... Ah, je me disais... Ok, c'est parce qu'il y a des ennemis. Bon, attendez, on éclate les ennemis. Allez, bim. Bim, bam, boum. Mon cœur fait vroom. Voilà, bon. Vous me laissez maintenant? Attendez, c'est pas encore fini. C'est un vrai défouloir. Hein. Là, voilà, franchement. Du coup, ce que je voulais dire. Donc, on revient ici. Voilà, donc ici, c'est les équipements que vous pouvez mettre. Hein. Voilà, moi j'ai mis ça. 1026 en vie, 31 dégâts, 366, 48. Bon, c'est pas les meilleurs équipements. Maintenant, il y a aussi du cosmétique. Voilà. Bon, il faut remplir des conditions et vous pourrez avoir, par exemple, des cosmétiques comme ça. Voilà. Bon, bon je suis pas trop fan de ça. Attendez. On est encore en train de m'attaquer. Voilà, des cosmétiques. Voilà, pas mal de choses. Et vous pouvez aussi équiper des bracelets, tout ça, comme ici, la ceinture de Brigand, les doigts, le cou. Voilà, un peu comme Dofus. Par contre, je me fais éclater. Les gens savent pas que je suis youtubeur. Hein. du coup, ouais, ici, vous avez l'événement, première illumination du jour. Voilà, ici, j'ai débloqué plusieurs choses à la boutique. Bon, la boutique... voilà, il y a un peu du pay to win, hein, donc un peu du gacha. Voilà. Alors, apparemment, ce que j'ai vu, une fois qu'on est niveau 30 dans le jeu nous obligerait à payer pour avancer. Je sais pas si c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe là? Il n'y a pas d'ennemis là-haut. Bon, on s'en fout. Ah ouais. Nous obligerait à payer. Je disais, je sais pas si c'est vrai. Voilà. Moi, je trouve, franchement, bah, en tout cas, c'est vrai, c'est honteux. C'est honteux. On ne doit pas nous obliger. Ok, c'est un jeu gratuit. Parce que je vais le préciser. Il est pas payant. Mais c'est honteux de pouvoir payer pour pouvoir avancer dans le jeu. Maintenant, on verra. On verra. Quand je serai niveau 30, je verrai très bien s'il faut payer ou pas. On verra, de toute façon, on verra. Voilà. En tout cas, j'aime beaucoup le jeu. Par contre, je sais pas, il faut que j'aille. Je suis en train de suivre les bots, là. Un jeu n'est jamais gratuit. Il faut pouvoir que les développeurs veulent gagner des sous, quoi. Mais putain, je vais où, moi? Je vais où? Je sais pas, il faut aller. Les morts vivants, parler à Shanima. Ah, ok, voilà, ok. Je remercie Akaret pour votre aide, mais bon. Ok, on va l'aider. Mais évidemment, payer pour que tu avances dans le jeu, ça, j'accepte pas, tu vois. Payer du cosmétique ou quoi, parce que tu veux que ton personnage soit un peu plus fort, ou pour avoir un plus beau skin ou quoi. Ok, comme Fortnite, ça va, mais pour avancer dans un jeu, payer... il faut pas déconner, les gars. Allez, hop. On les éclate. Donc là, on affronte Gordon, je crois. Regardez ce que je peux même faire, c'est ça. Attendez, je vais appuyer sur la touche 1. Regardez ce que ça fait. Bim! Vous pouvez charger une compétence pour faire plus de dégâts.
et on a aidé le villageois. Mais qu'est-ce qu'il me raconte lui? Ouais, bah, tout à fait. Mixion. Attendez, je vais le mettre comme ça parce que j'ai une crampe au bras. Niveau 12. Mon personnage qui a avancé tout seul. Voilà. Moi, j'aimerais bien faire Diablo. C'est Diablo. Pas Diablo 3 parce qu'il date. Mais ils ont refait un Diablo, Diablo 2, Renaissance. Et peut-être que je testerai le jeu. Donc, j'en ferai une vidéo sur la chaîne. Parce que là, franchement, j'avoue que les Diablo, c'est super bien. Hein. C'est super bien. Moi qui n'avais jamais joué au Diablo, je comprends pourquoi les gens adorent Diablo. Honnêtement. Il faut que j'aille où? Rendez-vous à la crypte des morts honorés. Il y a plein d'ennemis sur la map, c'est assez fou. Et j'aimerais bien faire une compétence. Ah non, c'est pas ça. Vous avez aussi... Merde, dégage. Vous avez aussi une attaque ultime aussi dans le jeu. Pour le moment, je l'ai pas encore débloqué. Regardez le Kamehameha. Oh là là. Oh, c'était magnifique. C'était beau ça. Ah, je peux avoir un truc. Oh, c'était beau. Regardez, je fais du karaté. Par contre, je vais remettre de la vie. Et c'est... J'ai un bouclier là ou quoi? Ah ouais, j'ai un bouclier. Je sais pas comment j'ai fait. Je vais vous montrer aussi le système de compétences parce que vous pouvez mettre des compétences. Et au fur et à mesure de votre niveau, vos compétences sont de plus en plus fortes, je crois. Ah, le bouclier s'est cassé. Voilà, voilà, on se fait plaisir. Hein. On récupère tout le loot. Magnifique. Magnifique. C'est quoi ça? Ah. On va pas se faire avoir par de petits insectes. Hein. Allez hop. Eh, ils sont résistants. Allez, oh, eh, ils font mal. Hein. Honnêtement. Ils étaient assez résistants ces petits insectes. Alors attendez, je vais remettre de la vie. Donc, ouais. Ah ouais, et donc du coup si vous voulez télécharger Diablo Immortal, vous pouvez seulement le télécharger sur Battle.net. Voilà, sur le site officiel Battle.net. Vous le trouverez nulle part. Voilà, donc c'est là-dessus que vous pourrez le télécharger. Et aussi, il n'est pas disponible en Belgique. Donc il vous faudra un VPN pour pouvoir le télécharger. Et il faudra vous créer un compte Battle.net. On va devoir se battre contre la reine. How I tire of your jealous attempts to suppress my potential. Now. Allez. Your entire lethargic order will be swept away and replaced by one with the ambition to reshape this corrupt world. D'accord. Allez, c'est parti, on va se fight. On va faire un carnage. Allez, ici, regardez, j'ai une compétence. J'ai la compétence ultime que je peux activer. Mais on va pas le faire, on va l'utiliser seulement contre le boss. Viens ici, toi. Viens ici que je t'éclate la gueule. Voilà, attendez, je récupère tout le lot. Et je crois que j'ai récupéré des trucs. On va aller voir ça.
37 en dégâts. Donc ouais, on va équiper ça. Alors ici on a du 113, la lame de poing à volonté. Et du... Ouais, c'est mieux d'équiper ça, hein, la puce. Même chose. Ouais. Ok. Encore un ennemi, oh, laissez-moi tranquille là, oh. Maintenant il n'y a pas d'ennemi, qu'est-ce qu'il me fait lui? Thank you for your aid, adventurer. It appears I must go and teach my former student another painful lesson. The guard still lives. On va l'aider, hein. Bah, on l'a déjà aidé, en fait. Isn't Bass killing for the information she seeks? And you just gave her a target. Lights, mercy, you're right. Wait, I know. Alors il faut que j'aille où? Parler rendez-vous à Gut, au Gut du Gart. C'est où ça? On peut pas aller par là? Je dois suivre les pas, c'est ça? Allez-y, bon je suis les pas. Hein. Si le jeu me dit d'aller par là, bah on va par là. Voilà. Hop là. Voilà, vous étiez dans mon passage. Et les ennemis qui se battent dans mon passage, j'en fais du confetti. Niveau 13. Compétences améliorées, rang 3. Les 7 frappes, rang 4. Ouais, donc vous pouvez, les compétences s'améliorent. À chaque niveau en fait. Attendez, c'est où encore les compétences si je dis pas de bêtises. Voilà, bon par contre ça m'emmerde parce qu'il y a des ennemis. Attendez, on va s'éloigner. Voilà, on va se mettre là. J'espère qu'il n'y a pas d'ennemi qui va me casser les couilles. Hein. Alors du coup. Oh, je peux même pas. C'est des emmerdeurs, hein. Putain, t'es bon, allez, on va tous se défoncer. On va faire ça. On va faire ça. Kamamea, bim! Et regardez, j'ai un double XP au-dessus. Donc je gagne plus d'XP, on s'éloigne. Il faudrait peut-être que j'en mette de la vie. Hein. Allez, prends ça, toi. Ah, c'est un vrai défouloir. Eh, je vais devenir addict, je vous jure. Hey, qu'est-ce qu'il m'a fait? Regardez, il m'a pris. Mais non! Je vais aller par là. Voilà. Oh les insectes, je déteste les insectes. Bon toi, espèce d'insecte. Voilà. Bon c'est fini? Ah non, non. Ok. Du coup. Mais putain! Laissez-moi tranquille! Je sais plus ce que je voulais faire. Ok, faut que j'ai pas. Stop! Stop! Attendez. Hop. Donc, maintenant on va aller de compétences. Du coup, j'ai quoi compétences? Les 7 frappes. Ah ouais, en gros, en fait, les compétences que j'ai ici, comme vous pouvez voir ici à droite, bah, au fur et à mesure que vous les activez. Bah vous allez avoir le rang 3, rang 4, rang 5, vous allez faire plus de dégâts avec ces compétences. Et ici comme vous pouvez le voir, vous allez débrouiller des compétences. Bon ici il faut être niveau 15, je suis bateau. Donc on aura la frappe mystique que je pourrais mettre dans une de mes icônes ici, juste à droite. Puis la paume explosive, bouguer de sérénité, sanctuaire, allez mystique. Donc voilà, il y a plusieurs... Le dragon volant, petit... Voilà. Poids du tonnerre, la frappe mortelle. Voilà, il y a plusieurs compétences qu'on peut avoir. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est good. Voilà. Not yet. Not yet.
Alors moi je... Hop. Oh, qu'est-ce que tu me fais toi? On me frappe pas comme ça, ok? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il dit? Partez, laissez-moi tranquille, je n'ai pas besoin de votre aide. Oh bah, attends, qu'est-ce que j'ai un truc? Je voulais vous aider, moi. Je suis là pour ça, pour aider les gens. Vous voulez pas de mon aide? Ok, bah je me casse. Rendez-vous au guet du garde. Ouais, mais, hey. C'est où? Ah, ok, ouais. Ok, ça, je suis dans la bonne direction. J'adore cette technique. La technique du kung-fu là. Bah c'est qui celui-là? Voilà. Elle est déchaînée la meuf. Nouvel événement, toucher, poursuivre dans une nouvelle quête. Ah donc on a des événements quête annexe. D'accord. Bon, on va pas faire ça maintenant. Mais ouais, mais je veux pas faire... Tuer les monstres dans le cimetière de centre-ville. Ah, il leur faut tuer 20 et on gagne un truc. En fait, j'aurais bien peut-être activé la compétence ultime. Mais on va garder ça. Oh putain, je vais me faire plaisir ici. Je vais tous les défoncer. On va garder ça pour le boss. Hein. Et c'est un vrai défouloir. Hein. Niveau 14. Compétences améliorées, ok. Tiens, prends ça toi. Ouais. C'est quoi ça? Ah ouais, ok. Le gars, il active une compétence. C'est quoi ça? Attendez, je suis où moi? Je suis perdu. Parler au capitaine. Ah ouais. Je sais pas si j'ai tué la monstre par contre. Relais débloqué, quête du gars. Hein? Ah, donc un nouveau camp. Et parler au capitaine. Bon, il est où ce capitaine là? Il est là. Capitaine Asmir. C'est donc vous qui avez combattu les morts vivants de nos portes. Nous vous donnons une fierté, une fière chandelle. Cela fait bien longtemps que personne n'a pu pénétrer dans la ville. Je ne vais pas vous mentir, notre situation est désespérée. L'arsenal de mes soldats ne résistera pas à notre assaut de cette force. Parlez à Polia, le forgeron, et rapportez-moi les armes qu'il a terminées. Ensuite, nous pourrons parler. Tu veux que je te rapporte des armes? Mais tu crois que j'ai que ça à faire? Ok, qu'est-ce qu'il veut lui? Ah, c'est le forgeron. Ouais. Toucher pour sectionner un objet reçu. Bon, ça, je comprends pas. Je crois que c'est pour booster ses équipements. Bon, bah, écoutez, on va prendre ça, par exemple. Je sais pas. Ouais, mais je sais pas, en fait. Franchement, je sais pas trop c'est quoi. Vous venez sur le point de recycler un objet puissant. Ouais, je sais pas. Je sais pas ce qui... Bon, écoutez, on va recycler, mais... Je sais pas... Ah... Je crois que c'était un truc pour... Bah, je sais pas. J'ai pas très bien compris ce qui va se passer. Ouais... On va équiper ça. Au futur, on va équiper ça direct. On peut détruire. On peut détruire les objets pour avoir de la monnaie. D'ailleurs, je dois avoir pas mal de monnaie. J'ai 2363 monnaie d'or. Ok. 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 Du coup, il faut aller où maintenant? Parler à Polia, le forgeron. Bah, c'est ce que j'ai. C'est ce que j'ai fait. Ah ouais.
The stress is eating everyone alive. No? Well, good luck out there. Bon, maintenant je lui reparle. Now, I'm certain you'd... I'm looking for Queen Asila. A handmaiden? God, I didn't know. It's all right. I understand. Don't... Amélioration d'équipement. Trouver le chalet de la servante. Attendez, il faut aller où maintenant? Il faut aller où? Ah ok. Bon bah écoute, c'est parti. Hein. C'est parti pour le chalet. On entend les bruits de monstres. Je sais pas si c'est des gens là. Ah désolé, vous étiez dans mon passage. Vous étiez dans mon passage. Moi je suis à déchaîner, voilà, je le dis. Bon. Ah ok, ça, donc on peut récupérer des fioles de vie. Attendez, je crois que je me trompe de route. C'est pas par là. Ouais, ouf, tu. On dirait Zoro. Bon, je vais vous lancer le caméra. Allez, venez tous dans mon cercle. Venez tous dans mon cercle. Bon, attendez, j'avance. Putain, mais ils ont tué tout le monde. Voilà. Bam! Ah, ils ont pas perdu beaucoup de dégâts. Hein. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ici? Y'a rien. Les morts vivants ont presque complètement envahi. Il y a beaucoup d'ennemis, hein. Voilà. ah merde, il faut aller là en fait. Mais oh, mais. C'est ce que j'ai fait. Il faut rentrer dans la maison. Partez. C'est quoi ça? Ah. Tout ça pour allumer une bougie, quoi. Ah, et ok pour ça. Ok. Je le savais, je le savais. C'était un piège, vous êtes tous fait avoir. Allez, bim. Donc ça, en fait, cette compétence, ça m'amène des ennemis vers moi. Ok. I recognize my old student's handiwork. The body's still warm, too. Ouais. Ah, qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Ah, il va réanimer. Ah non. Quoi? Qu'est-ce qu'il nous a fait, lui? Guider ma voix vers l'âme de celle qui va être tuée. Reviens à nous, mon enfant. Non, non, arrêtez de me torturer, je n'ai rien fait, je vous ai tout. Ah, il a ravi de mort, lui. Tout va bien, personne ne fera plus de mal, vous êtes une sécurité maintenant, cette femme. C'est lui qui vous a fait du mal, qui voulait. Traîtresse. C'est une traite. La pauvre, je vais rester ici, m'assurer qu'elle est convenable. Mais vous devez me rendre à la tombe. Niveau 4S. Ouais, elle est toujours morte en fait. Elle a juste réveillé son âme. Ok. Écoutez, on continue. Hein. On continue. J'aurais bien aller au moins jusqu'au boss. Bon, on va les passer. On va les passer. On va continuer jusqu'à la mission.
Tombe de la reine d'Azimilia. Ouais. Ouais, on y est. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, calmez-vous, ok? Examinez la tombe de la reine. Ah, il faut examiner la tombe, ok. Bon, attendez, il faut examiner la tombe. Donc, on va examiner cette tombe. C'est ici, c'est ça? Fouiller la tombe de la reine. Oula, j'aime pas ça. Bon, on continue tout droit. Ah, franchement, si vous aimez pas les araignées, bah, vous allez servir. Allez hop, bam. Par contre, petit, je prends cher. Non mais ça fait mal, hein. Attendez, il y a trop d'ennemis là. Il y a personne qui veut m'aider? Qu'est-ce qu'il fait lui? Par contre, les ennemis font très mal là. Ils sont pas venus ici pour jouer au dé. On récupère la fiole. Heureusement qu'on peut récupérer des fioles de sang. Hop. Oh, c'était magnifique ce que tu vas te faire. Hein. C'était du pro gamer. Aïe, un coffre. Hop, on récupère. Oh. J'adore le loot. J'adore. Il y a un truc qui est parti, je sais pas où. Examiner le caveau. Ok, examine. Mais j'étais en train d'examiner le caveau. Eh, ils sont chiants, hein. Ok. Ça sera le boss, ça. Non? Tuer le mage squelette. Ouais, ça sentait le boss. Ok, ça sentait le boss. Ok. Oula. Eh, hey, oh, calme-toi, Actorion. Vous savez quoi? Je vais activer la compétence ultime. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Je vais activer cette compétence. 3. Attendez, il faut que je trouve les R. Attendez, non, attendez, je remets de la vie avant. Je remets de la vie. Tu vas pas me faire chier, toi. Voilà, j'ai niqué, je suis chaud. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Oh là là, t'es trop nul là. Tiens, prends ça. Oh là là, là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Et ce. Monsieur se téléporte, hein. Ah, c'est. Ah! Je vais mourir! Eh putain, et ce rayon il fait mal, hein. C'est quoi ce rayon cheaté là? Attendez, je prends les fioles. On se casse. Attends, on va activer la compétence 4. Tiens, prends le camion dans la gueule! Dégage, araignée! Tu fais pas le point. La musique là au fond, elle est super bien. Une petite musique un peu space. Oh! Qu'est-ce qu'il m'a fait, Sorion? Allez, il est bientôt mort, il est fini. Voilà! Paf! Paf! Ça, j'aime bien, ça! Le petit coup de pied final, ça s'appelle le one shot fatality! Voilà. C'était magnifique. Oh, le coup de pied, il était magnifique. Franchement, la fin du coup de pied comme ça, pas mal. Bon, on va regarder juste s'il y a des coffres à choper. Ouais, il y a un coffre, là. Voilà, magnifique. Et j'ai pas mal de pièces d'or, je crois. Est-ce que j'ai récupéré du loot?
Ah ouais, quand même, 608. 426, 300. Ouais, on va équiper ça. C'est quoi ça? Châssis facile à attacher, même au bout du terrain. On équipe. Hein. Et ouais, hein, 426, ouais, ça aussi. Et c'est tout. Hein. Ouais, c'est tout. Et on a 4000 pièces d'or. Bon. Vous allez vous calmer, vous. Parce que moi. On va remettre de la vie quand même. Magnifique. Bon bah écoutez, on va dans le portail. C'est parti. Vous voulez ouvrir moi qui... Comment ça? Bah j'ai tout fait là, non? J'ai tout fait? Bah oui, bah oui. Bah oui, écoutez. C'était sympathique ce boss. Ouais. Franchement, il est super bien le jeu, franchement. Est-ce que vous voulez que je fasse des lives sur le jeu? Si vous voulez que je fasse des lives sur le jeu, bah écoutez, bah on fera des lives, hein. Et on va s'amuser. Oh là là, niveau 16. C'est... À chaque niveau, tu montes en puissance, ça j'aime bien ça. Regardez-moi ce petit caméra. Et c'est vraiment ça, hein. Regardez, c'est Son Goku mon personnage, hein. Et c'est Spirit Dragon Ball, quoi. Putain. Ok. Je sais pas comment on est là. Ouais, on a pas mal avancé. Écoutez, on va rendez-vous au manoir. Bon, on va se rendre au manoir. Voilà, voilà. Venez, vous ne vous cherchez à souffrir. La quoi? J'ai pas compris ce qu'il a dit. Ah oui. Moi, je veux de l'action, je veux de la bagarre. C'est quoi ça? Ok, oh, quand c'est pas encore fini, il y en a encore. Il y a le boss, le golem d'os. La compétence ultime, il faut longtemps pour qu'elle s'active. Hé, hey, hey, oh! Attendez, oh, calme-toi. On va la voir en caméra, lui. Attendez, hop. Tiens, ah! Allez, t'es mort. Oh là, t'es mort. Et c'est quoi ça? Détruisez rituel de mort. Ok, on va détruire ce rituel de mort, c'est parti. Voilà, c'est beau ça. Ça, c'est de la belle game, ça. Ça, c'est du beau jeu. Ah, il faut aller par là. Il faut aller par là. Ah, il faut aller par là, lui. Bérir nécrotique, chien, moi. Il faut toujours que 3 de ces rituels. Attends, allez-y, mettre un terme. Pas de stage, je vais faire diversion après les terres. Vous ne pouvez pas parler au plat combat. Ouais, mec, casse les couilles, toi, dégage, oh. Je suis en train de parler. Ouais. Donc, attendez, il faut détruire toutes les barrières, c'est ça? Détruire les rituels de mon restant. Ah, ouais. Ouais, mais attendez, on finira jamais cette vidéo, les gars! J'étais tellement chaud que j'ai pas envie de quitter le jeu. Hein. Écoutez, bah, la vidéo va durer une heure. Hein. Même plus. Oula, là, attendez. Ouh. Et j'ai failli crever. Ouais. Oh, donc ça c'est des nécromanciens. Hein. D'ailleurs j'hésitais, je me disais justement, soit je crée un moine ou un nécromancien. J'hésitais. Il y avait aussi le barbare, le guerrier. Il y avait plusieurs classes. Hein. Non, c'est pas ça que je vais faire. Moi j'ai voulu créer un moine et une femme. Ouais. J'adore les arts martiaux, donc voilà. du coup. Bam.
Ouais, ok. Oula, c'est quoi tous ces ennemis là? Ils ont l'air puissants. Hein. Je pense qu'il faut pas se ramasser un coup parce que sinon tu meurs. Ok, ok, ok. Bah, elle est où cette barrière? Elle est loin la barrière. Hein. Oula, il a pas l'air de plaisanter lui. Et vu qu'il a pas l'air de plaisanter, vous savez ce qu'on va faire? On va faire ça! Et il fait méga mal. Hein. Oh! Attendez. Non! Putain, il faut qu'on dégage là. Allez, t'es mort, voilà. Et maintenant, on détruit ça. Magnifique. C'est qui tire comme ça? Donc maintenant c'est... Ah ouais, ok. Donc la dernière barrière. Mais putain, mais la carte là, c'est obligé ça? Elle prend tout l'écran la carte. Attendez, oh, bon, on va finir avec lui parce que j'ai récupéré du loot. Mais on regardera ça après. Par contre, je veux dégager de là parce que ça fait très mal. Attention, il nous prépare du sable lui. Kamehameha, oh, allez, on fait le Kamehameha. Voilà, Kamehameha. On remet de la vie. Voilà. Maintenant, on va détruire la barrière. Laissez-moi détruire la barrière. Je veux m'en occuper personnellement. Voilà. Niveau du set. Ok. On va aller voir ce que j'ai récupéré. 1314, pas mal. Plus 7 en détermination. Ah ouais, plus 4 en force. Ah. Personnellement, on a récupéré un casque, mais franchement, il est pas ouf. Et en plus, moi, je préfère ne pas mettre de casque comme ça. Tu vois, j'ai le visage de la femme. Plus 5 en force, plus 5 en volonté. Voilà. Écoutez, je sais pas. On va quand même équiper ça. Après, on a quand même plus 4 en force, tu vois, c'est pas mal. Alors, on va mettre ça quand même. On va mettre ça. C'est vrai qu'on perd un peu en force. Et justement, ici, on a récupéré nos compétences. On a récupéré, je crois, un truc. Les 7 frappes. Ah ok, en fait ça il fallait débloquer au niveau casse et il s'est mis automatiquement ici dans le placement à droite. D'accord, ok, du coup ça c'est le 2. Ah ouais, ça fait plus de trucs. Bon bah on va rejouer à Tuxul hein, au manoir hein. Parti. Ah. Dégage. Aussi, je fais pas de dégâts. Par contre, la carte, c'est nécessaire de mettre la carte en droit comme ça parce que moi, je m'en fous. Hein. Ok.
Sois mode Excel. C'est terminé. Ah, puis ça, c'est maintenant best friend à la tienne. L'âme de l'Etrix sera battue aux miennes. Il y en a la plus grande nécromancienne du monde, d'ailleurs. Oula, là par contre, là, ça va moins rigoler, là, là, ça... Mais par contre, je comprends pas la carte... J'ai pas besoin d'une carte aussi immense qui prend tout l'écran, là, oh. Mais putain! Attendez, attendez, je comprends pas ce qui se passe. Mais... Oh, ça, c'est hyper chiant. Bon, je suis désolé pour la carte qui prend tout l'écran. Là, je suis vraiment désolé, je sais pas comment désactiver ça. C'est vraiment très chiant. Désactiver ça, désactiver cette carte. On s'en fout, on s'en fout. Et je sais pas où il est l'ennemi en plus. Bah attends, il est où l'ennemi? Oh bah j'ai éclaté. Allez bim, voilà. C'est fait, la brèche est verte, vous ne pouvez plus. Oula. Allez, on va affronter celle-là alors. Ah, c'est hyper désagréable la carte comme ça là. Je sais pas. Pourquoi? Attendez. On doit l'affronter là ou pas? Je comprends pas. Attendez. On va juste voir un truc. La carte là. Affichage. Non, c'est pas ça. Commande. Non, c'est pas ça non plus. Ouais, c'est ça. La carte. Menu. Carte du monde. Âme. Attendez, j'essaye de désactiver ça. Oula, je sais pas ce que je vais te faire, honnêtement. D'accord, ok, ça c'est un truc, ok. Bon bah écoutez, bah si quelqu'un sait comment désactiver la carte, voilà. The rift is drawing strength from the skeleton king's essence. And how would I do that? Kill Leoric. You'd be surprised how often that works. Lefis desires dominion over the undead. Passe de combat. Ah donc on a débloqué un passe de combat. Comme Fortnite et tout ça. Nouveau passe de combat, ok. Saison A du 1 juin jusqu'au 7 juillet. Donc à partir du 7 juillet, il y aura un nouveau pass de combat. Ok. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut débloquer de la pass de combat? Ah bah, je connais pas tous les trucs, donc voilà. Ouais. Ouais, bon, on regardera ça plus tard. Du coup, mais entrer dans la brèche du roi fou. Donc je dois rentrer dans la brèche. Ok, je rentre dans la brèche. Comment ça trouver un groupe? Brèche du roi fou. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Bon, écoutez, on entre, hein. On entre. Bon, je laisse savourer la cinématique.
Donc on va aller affronter Golric. D'accord, ok. Pas mal. Bah écoutez, on va se retrouver pour la suite, hein, parce que là on est déjà pas mal en vidéo. Donc je vais continuer, mais on fera ça dans une partie 2. Ok, ok, parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Donc franchement, très très bon jeu, hein, franchement. Je crois que je vais être addict sur le jeu. Donc voilà. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un grand pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour rater les prochaines vidéos. Et moi, je te dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Matane.